Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog, donc je vous prends à nouveau hein, dans une semaine, durant une semaine du mois de décembre. Je viens vous parler de mes lectures, je vais vous parler de tout ce que je suis en train de lire. Je vais aussi faire le tag de Noël, comme ça vous c'est un tag très très chouette et j'ai envie de l'insérer dans ce vlog. Et je pense qu'il y a une petite réception livresque très chouette qui va arriver cette semaine aussi. C'est un thriller qui est censé arriver, alors je sais pas hein, puisque on m'a dit qu'on allait me l'envoyer, mais je ne sais pas s'il va arriver cette semaine. L'objectif de cette semaine, c'est un petit peu de, et beaucoup en fait hein, de continuer Christmas Carol hein, puisque c'est la lecture que je tente de lire jusqu'au 24-25 décembre, mais je suis assez en retard par rapport à mon découpage. Hein. J'avais fait un découpage divisé en 22 pour avoir voilà, 5 pages par jour. Et j'en suis à fond à la bourre parce qu'à un moment, j'ai oublié de lire ce livre, tout simplement. Donc c'est que j'étais pas à fond dedans. Donc mon but de cette semaine, c'est d'un petit peu avancer dans Christmas Carol, d'arriver au moins, la fin du vlog sera le 19 décembre, d'arriver au moins aux 3/4 du livre, ce serait cool quand même. La dernière fois, je vous avais parlé dans mon vlog d'un vote que vous pourriez faire sur Instagram. Donc vous avez voté pour ma lecture et je vous avais laissé en plan quand même avec un suspense de folie. Je vous avais dit, je dirai dans le prochain vlog le livre pour lequel vous avez voté, et je suis très surprise que vous ayez voté pour celui-ci. Je suis très contente aussi hein, puisque je l'avais mis en plus dans ma pile à lire de décembre, donc ça tombe bien. C'est Christmas Pudding de Nancy Mitford, donc c'est une autrice anglaise. Ce livre a été écrit dans les années 30 et je vous avoue que je suis très très curieuse de voir ce que ça donne. J'ai jamais découvert cette autrice, je l'ai jamais lue, ça fait longtemps que j'ai envie de la découvrir, et je me dis que ça peut être chouette dans un vaudeville un petit peu cynique, hyper britannique. C'est vraiment, je pense, un récit humoristique autour d'un repas de Noël. J'en sais pas vraiment plus hein, mais il paraît que c'est vraiment très drôle, humour british, tout ce que j'aime. Maintenant j'espère que ce sera pas trop lent non plus, j'espère que ça sera bien piquant et que j'apprécierai cet humour. Et sinon, le but aussi de cette semaine, c'est de terminer ce livre, puisque je vous avais dit dans ma pile à lire que j'avais quelques livres que j'avais commencé cette année et que j'avais laissé en plan pour des raisons tout à fait mystérieuses. Et celui-là faisait partie des 3-4 livres que j'avais envie de terminer en décembre. Et donc, bah voilà, j'ai un petit peu avancé là, pas beaucoup, mais j'ai un petit peu avancé dans cette lecture. Je vous en parlerai quand je serai un petit peu plus loin. Pour le moment, j'apprécie bien, c'est assez original. Donc, je vous en parlerai durant ce vlog. Et mon but, c'est de terminer ces livres et de lire aussi d'autres choses. J'ai bien envie de me plonger dans un bon thriller sanglant. Ça fait un moment quand même que j'ai plus lu ça, ça me tente bien. Voilà, on va voir un petit peu les envies du moment. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je vous retrouve un petit peu plus tard, je ne sais pas quoi. Salut. Je me suis lancée dans un périple, dans une aventure de fou, parce que j'ai décidé de faire un book haul un peu différent de d'habitude, et du coup ben, j'ai 4 habits à mettre, c'est le bordel, il y a plein de livres, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon voilà, c'est presque fini. Et je voulais un tout petit peu vous parler, puisque j'ai un peu avancé dans ma lecture d'Olympe Vaolaise, et franchement je suis super contente, Vaolaise plutôt. Je voulais juste vous dire, c'est un livre dont j'ai entendu plusieurs avis, pas forcément positifs. Au moment où j'ai demandé ce livre, parce que je l'avais demandé à la maison d'édition pour le découvrir, j'avais encore vu des avis nulle part, j'avais été hyper intriguée par le résumé. Et depuis, j'ai vu des avis pas forcément positifs, et j'ai un peu du mal parce que... Enfin, un peu du mal, non, je suis pas tout à fait d'accord, en fait, avec tous les avis que je lis. De gens qui disaient que c'était mal écrit, qui s'ennuyaient, que bazar. Alors moi, je m'ennuie pas du tout, je trouve ça passionnant, j'ai envie absolument de savoir la suite. Les gens sont souvent dérangés par la romance qui s'installe. C'est peut-être vraiment le gros truc qui me dérange le plus dans le livre, c'est la romance, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, je pense. Et alors, il y a des gens qui parlent des coquilles et des fautes. Alors oui, il y a des coquilles, il y a des petites fautes, des mots qui manquent, mais honnêtement, il n'y en a pas plus que dans certaines maisons d'édition bien plus connues que 404 éditions. Ce livre a quand même beaucoup de potentiel. Je trouve l'histoire passionnante, je trouve ça hyper intéressant. Alors, j'y connais rien en histoire, donc s'il y a des soucis au niveau de l'histoire, bah, je ne pourrais pas vous le dire parce que franchement, je suis une quiche en histoire. Mais en tout cas, je passe un super moment, je suis bien embarquée dans le récit. La romance, je vous en parlerai, hein. Il y a des petits soucis au niveau de... la crédibilité du personnage masculin qui a perdu en fait l'amour de sa vie il y a 8 jours et il est déjà en train de faire ouh. Enfin, il est beaucoup trop... il a pas l'air du tout dévasté par la mort de son... Bon, de temps en temps, oui, mais je trouve qu'il y a un truc, un souci de cohérence par rapport à la mort de l'amour de sa vie. Mais en tout cas,
je passe un bon moment, je suis vraiment bien embarquée sans histoire. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup, beaucoup de plans à tourner pour ce book haul. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je ne sais pas ce qui m'a pris de me lancer dans une aventure pareille, mais voilà. Je vous retrouve bientôt pour vous parler de la suite des aventures de Lampe Valoise. Oh, je vous retrouve, nous sommes vendredi et je viens vous parler de pas mal de petites choses. J'ai terminé un roman dont je dois vous parler, j'ai reçu deux romans et je vais vous parler de mes nouvelles lectures en cours. Je vais également faire le tag de Noël. J'essaie de toujours recenser les choses dont je parle dans les vidéos, donc si vous voulez aller directement au tag de Noël par exemple, bah vous pouvez directement cliquer sur tag de Noël. Voilà, je vais je pense déposer ma petite tasse parce que j'ai trop infusé mon thé, donc je ne vais pas pouvoir le boire. À propos de thé, c'est un thé du calendrier de l'Avent Tea Tower. Alors je n'ai pas eu encore de coup de cœur pour ce calendrier de l'Avent. Mon but, je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog, c'était de voir les thés que je pourrais commander dans une prochaine commande. En fait, je pense qu'il n'y en a aucun que je vais commander. J'ai tellement de thé à la maison et j'ai pas eu vraiment de coup de cœur encore avec un de ces thés de Tea Tower que je ne vois pas quel thé je pourrais commander par rapport à tous ceux que j'ai goûté. Il y en a qui sont bons, hein, franchement. Celui-là, par exemple, c'est un thé vert au pomme cannelle. Et franchement, c'est très bon, mais c'est pas assez exceptionnel que pour faire un achat. Je vais pas encore acheter un thé s'il est pas exceptionnel. Voilà, je deviens très très difficile avec les thés, je m'en rends compte. Donc je vais déposer ça parce que ça ne me sert à rien. Je vais commencer par ma lecture terminée. J'ai terminé Olympe Valoise de S.L. Pennyworth. C'est publié aux éditions 404. Moi, c'est un livre que je leur avais demandé. Alors, je sais plus quand maintenant. Je sais plus à quel moment je leur avais demandé. Je les avais contactés parce que j'avais été voir sur leur site et j'avais vu cette sortie d'Olympe Valoise. Et déjà, j'avais été attirée par la couverture. Je m'étais dit ça allait être un monde un peu steampunk. J'ai mis un long moment avant de le commencer. Je l'avais commencé, puis je l'ai mis de côté pour je sais quelle raison. Et là, j'ai repris cette semaine puisque au mois de décembre je vous avais fait une pile à lire, je m'étais fait surtout une pile à lire et je m'étais dit que je devais au moins terminer un des quelques livres que j'ai commencé cette année et j'avais cité celui-là et donc je suis super contente parce que j'ai validé la catégorie terminer un livre. J'ai d'ailleurs aussi validé la catégorie un livre de Noël. Franchement, je suis fière de moi, franchement. On va parler d'Olympe Valoise qui est une jeune historienne qui travaille aux archives à Paris. Et nous sommes donc dans les années 2020. Un jour, deux hommes vont venir la chercher pour l'emmener dans une autre dimension. On va se rendre compte que on est dans notre monde, mais le temps ne s'est pas déroulé de la même manière que dans notre monde actuel. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est dans les années 1800 et il y a plein de choses qui sont différentes de nos vraies années 1800. Par exemple, la technologie est très très développée pour les années 1800. Il y a énormément de changements au niveau de l'histoire du pays, de l'histoire des guerres entre pays, de certains dirigeants qui ne sont pas forcément contemporains les uns des autres, mais qui dans cette dimension se connaissent et se côtoient. L'histoire a été faite vraiment complètement différemment, l'histoire a complètement changé. Donc quand elle arrive sur place, Olympe est là un peu perturbée. Bah déjà, elle comprend pas qu'elle est dans une autre dimension. Elle voit qu'elle est, oui, en effet, dans le passé. Déjà, elle a du mal à comprendre ça. Olympe a été emmenée dans cette autre dimension pour résoudre un mystère, puisque Maximilien, qui est le dirigeant actuel de l'Empire, Maximilien a perdu sa favorite. Donc la favorite de Maximilien est décédée, Artemis, à cause d'un complot et lui il veut absolument savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il choisit Olympe dans une autre dimension? Parce qu'elle ressemble trait pour trait à Artemis, sa favorite, et donc il se dit qu'elle pourrait prendre la place d'Artemis et donc enquêter en faisant semblant d'être Artemis. Donc Olympe se retrouve dans ce monde qu'elle ne connaît pas, avec une histoire très différente, avec des coutumes qui sont très différentes des siennes, et elle est obligée, elle a plus ou moins le choix, mais bon, elle finit par le faire parce qu'elle est très gentille, elle est obligée donc d'enquêter sur la disparition d'Artemis et, sur les éventuels complots qu'il peut y avoir autour de Maximilien. Et dans cet univers, dans cette dimension, il y a également la magie, et certains personnages sont dotés de magie, il y a des dragons qui sont extrêmement important. Donc on est dans un univers qui ressemble très fort au nôtre mais dont l'histoire a été complètement transformée et avec des éléments un petit peu magiques et aussi des éléments presque steampunk puisque la technologie, comme je vous l'ai dit, est quand même assez développée. Alors je vais vous dire un petit peu tout ce qui m'a plu et aussi tout ce qui m'a moins plu dans cette lecture. La première chose pour laquelle j'ai vraiment vraiment accroché, c'est vraiment l'originalité de cette histoire.
C'est vraiment ce que je recherche dans un livre, c'est de me retrouver dans quelque chose de nouveau. Et ici, j'ai vraiment été embarquée dans une histoire complètement immersive qui nous emmène dans un monde, dans une autre dimension, avec des personnages communs, avec notre dimension, avec notre histoire, mais avec beaucoup de distorsions de l'histoire, ces distorsions du temps. C'était vraiment bien fait. Alors on est avec une héroïne qui est historienne et qui connaît bien donc l'histoire de son propre pays, et alors elle arrive dans cette dimension, elle est un peu perdue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai bien aimé la manière dont l'autrice a complètement transformé notre histoire, et du coup avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir, par exemple des constructions de bâtiments qui n'existent pas dans notre monde, ou des bâtiments qui ont été virée. J'ai vraiment bien aimé la manière dont l'histoire est exploitée. On sent que, parce que moi j'y connais rien en histoire, je vais quand même le signaler, on sent que l'autrice visiblement s'y connaît bien, et on sent qu'Olympe, elle est hyper convaincante en tant qu'historienne, et quand elle arrive dans ce monde, elle vient donner son avis, elle dit « Ah oui, mais non, ça dans notre monde, il n'y a pas », et c'est vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé la richesse de cette transformation de l'histoire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est par rapport à cette autre dimension, ce sont les mœurs qui sont un petit peu les coutumes, les manières de vivre qui sont vraiment différentes. Par exemple, je vous ai parlé de la favorite de Maximilien, et bien en fait, les favorites, les maîtresses sont hyper bien acceptées par la population, sont hyper bien acceptées par la cour. Artémis était limite plus importante que la princesse, l'impératrice. Elle était considérée d'ailleurs comme une princesse, princesse Artémis. Et elle était hyper bien vue, et elle était hyper importante dans ce monde. J'ai aimé aussi les insertions un peu steampunk, de nouvelles technologies dans cet univers. Le fait qu'à un moment, elle va au restaurant dans les marais, et les marais sont encore des marais. Et donc, je crois qu'elle va manger sous l'eau ou quelque chose comme ça, c'est vraiment chouette. J'ai bien aimé aussi les insertions magiques dans cet univers. On a Merlin, on a des dragons. Les dragons ont un pouvoir un peu particulier. Ça, c'est vraiment tout ce que j'ai apprécié. C'est tout cet univers qui a, je trouve, un énorme potentiel et qui est plutôt convaincant. Ce que j'ai un peu moins aimé, la première chose, c'est lié à mes appréciations personnelles, c'est la romance. Dans certaines histoires, je trouve ça chouette qu'il y ait une romance. Dans certaines histoires de fantasy, par exemple, je trouve ça chouette qu'on ait une romance. Ici, je n'ai pas trouvé cette romance nécessaire, surtout qu'elle ne m'a pas forcément convaincue de par la psychologie et la manière dont ça se passe. Je vous explique, notre Maximilien, il a perdu la femme de sa vie il y a une semaine, et il va chercher Olympe pour résoudre le mystère. Déjà, après une semaine, si tu as perdu la femme de ta vie, tu es au bout de ta vie. Alors, il y a certains moments où on le voit, en effet, il va pas bien. Mais quand il rencontre Olympe, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Il y a déjà des petites traces d'humour et de séduction qui sont parfois difficiles à comprendre, même si c'est vrai que, effectivement, Olympe ressemble énormément à Artémis, donc lui, il croit revoir un petit peu Artémis. Je pense vraiment, en essayant de me mettre à sa place, que si j'avais perdu l'homme de ma vie et que je me retrouvais face à son alter ego, face à son sosie, j'aurais juste pas envie de le voir, je serais ignoble, je voudrais juste pas le voir. Et lui, je trouve son comportement vis-à-vis d'Olympe assez étrange, voilà. Bien sûr, il a l'impression de retrouver Artémis, mais en même temps, il sait très bien qu'Artémis est morte, donc à sa place, je fouillerais, je voudrais pas côtoyer cet Olympe. Et surtout, après une semaine, je sais pas si j'aurais déjà envie de résoudre tout le mystère autour de la mort d'Artémis. Moi, je serais au bout de ma vie. Il y a ce côté, dans cette romance aussi, de demoiselle en détresse, d'Olympe qui est tout le temps en train d'être menacée de mort, et lui va tout le temps la sauver, genre. Voilà, c'est un schéma que je n'apprécie moi pas forcément, mais je pense que pour les fans de romance, ça pourrait vous plaire. Et c'est vrai que la romance prend parfois des proportions assez importantes. À des moments de l'histoire, on a envie de parler d'autre chose, ou en tout cas moi j'ai envie de lire d'autres choses. J'ai eu du mal aussi avec le comportement d'Olympe, qui parfois, je trouve qu'elle s'habituait beaucoup trop vite en fait à certaines situations, et qu'elle était trop vite attirée par ce personnage, alors qu'elle arrive dans un monde déjà qu'elle ne connaît pas. Elle est dans le passé, mais même pas dans son propre monde. Elle doit apprendre toute une histoire, et en plus elle se retrouve face à un homme qui l'attire terriblement, et il y a beaucoup de passages où elle parle de son attirance pour lui, et je trouve que ça n'a pas vraiment sa place à ce moment-là. À ce moment-là, je pense que si j'étais à sa place, je pense que j'en aurais un peu rien à péter que le gars en face de moi soit beau. J'aurais juste envie déjà de rentrer chez moi, et éventuellement de
résoudre les mystères parce que c'est fun et je suis historienne et bazar. Je suis pas historienne, mais je me mets à sa place. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, certaines réactions qu'elle va avoir que j'ai du mal à comprendre. J'avais du mal à comprendre parfois certains choix de cette héroïne qui s'habituait très facilement à certaines situations. Après une semaine, elle savait déjà plein de choses. Elle était déjà super pote avec l'un, avec l'autre. Des choses un peu rapides, surtout dans un monde qu'elle ne connaît pas. Dans cette histoire, on a des révélations. Il y a beaucoup de choses que je voyais venir. Je me disais, ah oui, ça va peut-être se passer comme ça. Et effectivement, mes suspicions étaient bien fondées. Il y a des choses qui sont passées comme je pensais. La toute fin, je trouve qu'elle est pas mal du tout parce que ça devrait être comme ça. Voilà, la toute fin, elle est vraiment bien. Mais la toute fin, genre les deux dernières pages, l'autrice a fait quelque chose d'assez... je pense sympa pour les amateurs de romance, mais moi, je me suis demandé pourquoi elle avait fait ça. Je trouve qu'il y avait certaines maladresses par moments. Alors le style est agréable, est accessible, mais par moments, je trouve que certaines choses étaient expliquées de manière un petit peu maladroite, notamment la scène, il y a une scène de sexe, notamment, à laquelle j'ai pas forcément accroché, que je trouvais un petit peu maladroite, certaines scènes aussi d'action... voilà, j'ai pas toujours accroché à toutes les scènes, à la manière dont toutes les scènes étaient écrites, mais moi je suis pas trouvé ça. J'avais lu des avis de gens qui disaient oh c'est scandaleux de laisser cette faute là. Alors moi j'ai pas trouvé la faute en question. Je pense que j'ai vu bien pire dans d'autres maisons d'édition bien plus connues. Je trouve que c'est un livre qui a énormément de potentiel, qui a de super bonnes idées. Ce sera pas un coup de cœur parce que toutes les choses que je vous ai citées, voilà, des maladresses, la romance. Ça fait que ce ne sera pas un coup de cœur, mais franchement, je trouve cet univers hyper intéressant. J'étais vraiment bien embarquée dedans. Le plus gros point fort de cette histoire, c'est l'utilisation de l'histoire. C'est la meilleure chronique de l'univers, je pense. Voilà, maintenant je vais aller me renseigner parce que je dis toujours autrice, mais je ne suis pas certaine que ce soit une autrice parce que c'est S.L. Pennyworth. Et je vais voir si elle n'est pas historienne par hasard parce que je trouvais vraiment son personnage d'Olympe très convaincante en tant qu'historienne. Pas toujours convaincante en tant que femme et en tant que femme qui vit dans cette dimension, mais en tant qu'historienne, en tout cas, c'était vachement bien fait. Après cette lecture, j'avais envie, je vous l'avoue, de lire un thriller. Je me suis auto-hypée en faisant mon book haul et je me suis dit « Ah, j'ai super envie de lire un thriller et particulièrement j'ai envie de lire celui-là ». Et donc, comme j'ai fini le soir cette lecture, je me suis dit que j'allais commencer le soir et je me suis dit « Isabelle, tu as beaucoup d'heures de sommeil qui te manquent, tu dois vraiment rattraper des heures de sommeil. Si tu commences à lire Donato Carisi avant d'aller dormir, déjà c'est particulièrement addictif ». Donc peut-être que tu n'arriveras pas à le lâcher, mais en plus, si ça fait un peu peur, je vais pas dormir. Parce que même si il en faut beaucoup pour me stresser, je trouve que Donato Carisi, il est quand même vachement doué pour mettre une ambiance un peu stressante. Du coup, j'ai pas commencé. Et qu'est-ce que j'ai commencé avant de dormir? C'était parfait. J'ai commencé une romance de Noël que j'avais achetée l'année dernière, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomin. Pour le moment, j'apprécie bien, on est au tout début, on va suivre notre héroïne qui est... C'est quoi son nom? Agathe, qui est décoratrice dans un grand magasin, vous savez, style Lino en Belgique ou les Galeries Lafayette en France. Et elle fait la décoration de ce magasin. Donc elle est décoratrice de ce magasin et son patron, le directeur de ce magasin, a toujours été hyper fan de ce qu'elle faisait. Et c'est un petit peu elle qui fait toute la magie de Noël de ce magasin, puisque c'est elle qui fait toute la déco et les gens sont toujours hyper émerveillés. Et elle fait ça super bien. Sauf que le directeur meurt et... à sa succession va arriver Alexandre, le fils de ce directeur, et quand il arrive, Alexandre, il voit la déco, il dit « Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et il demande de tout changer, sauf que Noël, c'est bientôt, enfin, elle aurait qu'une semaine pour le faire. On voit qu'Agathe, elle s'est démenée pour faire ses décorations, et elle va engueuler le directeur, donc ce qui va pas forcément bien passer. Et donc, là, je suis au tout début, bah, je passe un bon moment pour le moment, je pense en effet qu'on va être bien dans l'univers de Noël, dans l'ambiance de Noël. Je lis celui-là, je l'ai choisi parmi toutes mes autres lectures de Noël parce que c'est Perfect Flow, une youtubeuse que je vous conseille vivement, je vous mettrai son lien en barre d'infos si j'oublie pas, c'est une booktubeuse qui parle extrêmement bien des livres, je trouve, et elle a parlé de son avis sur celui-là et elle disait que c'était un livre qui retransmettait extrêmement bien l'ambiance de Noël, que c'était vraiment bien fait, et que la romance n'était pas si importante que ça. Je sais même pas s'il y a une romance, mais à mon avis, ça pue. Enfin, ça sent bon, je sais pas, ça dépend dans quel sens, mais je pense qu'il doit y avoir une romance.
avec Alexandre, parce qu'ils disent quand même qu'il est beau gosse, qu'il ressemble à Chris Hemsworth là. Et donc oui, j'ai été influencée par Perfect Flow. Et du coup, je trouve en effet qu'on est bien dans l'ambiance de Noël, même si je suis qu'à la page 30. Je pense que je vais passer un bon moment avec cette lecture. Je suis agréablement surprise. C'est pas exceptionnel non plus, c'est une histoire de Noël. Mais je sens là, on va rentrer dans la famille de notre héroïne, ça va être chouette. Je vais essayer aujourd'hui de commencer le Donato Carisi, mais c'est pas gagné parce que là, du coup, ça me ferait 3 lectures en cours. Plus le Christmas Carol, donc 4 lectures en cours. Ça fait beaucoup quand même. Pour la première fois, je me suis fait un planning de lecture. C'est un truc qui n'est pas du tout dans ma nature de faire ça. Je suis plutôt une lectrice de l'improviste et une lectrice de circonstances. Et donc quand je finis un livre, souvent j'ai envie de lire un autre. Et là, vraiment, il y a des livres que j'ai envie de lire autour de Noël et donc je me suis fait un planning de lecture. Est-ce que je vais vous le partager? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais dans ce planning, il y a les lectures que je vous ai déjà montrées. Et alors je vais vous montrer ma réception. Dans le swap de l'avant avec mon amie Céline, j'ai reçu L'Infortuné de Wesley Stace. C'est un livre que je suis super contente d'avoir. C'est... Comment il s'appelle ce monsieur ? Gérard Collard, voilà. Gérard Collard qui en avait parlé dans une de ses émissions. Il disait que c'était une pure merveille, comme souvent quand il adore un livre, il dit que c'est une pure merveille. Il en a vraiment bien parlé, ça m'a donné super envie de le découvrir. On est dans les années 1820 à Londres, on va suivre la fille d'un lord qui vit dans un magnifique manoir entouré de domestiques. Rose a une enfance comme toutes les petites filles qui rêvent d'en avoir et on lui dit en fait que Rose n'est pas une petite fille, elle est un garçon. Et que ses parents ne sont pas ses vrais parents, et ok, bah ça a l'air vraiment chouette, on dit que c'est une fresque victorienne passionnante qui se lit comme un classique. Et je suis très très intriguée par cette lecture depuis que je l'ai vue chez Gérard Collard, et je l'avais jamais trouvée en librairie, et je suis super contente de l'avoir reçue. Et alors j'ai fait un achat. Il me restait 7€, je crois, vous avez toute ma vie, sur ma cagnotte PayPal, parce que j'ai des paiements que je fais tous les mois pour certaines applications, des choses comme ça, via PayPal, et il me reste toujours un tout petit peu, parce que PayPal, il faut charger, enfin bref, c'est pas très important, il faut chercher un certain montant pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, et du coup, il me restait 7€, et je me suis dit, Isabelle, tu sais ce que tu vas acheter, j'ai acheté un livre sur Momox. C'est un livre que j'ai déjà, mais j'avais vraiment, vraiment envie de le lire dans une autre édition. Je vous en ai parlé dans ma pile à lire de décembre. La recluse de Whitefell Hall, de Anne Brontë. D'ailleurs, je l'ai dans une autre édition avec un autre titre. Je vous ai dit, je suis très très fan des éditions Libretto. C'est vraiment des éditions qui me correspondent énormément. Je trouve que la police est hyper accessible. Enfin, parfois c'est plus petit, parfois c'est plus grand, ça dépend. Je trouve que les préfaces, tous les avant-propos sont toujours hyper pertinents. J'aime énormément cette... Il y a un confort réel de lecture. Et moi, j'avais la version archi-poche. Et je vous avoue que l'écriture est aussi archi-poche. Et donc, j'ai vraiment eu envie de lire ce livre dans les éditions Libretto, sachant qu'elles étaient disponibles. J'ai, bien sûr, un sale état. Alors, je crois que je lui ai payé 3-4€, un truc comme ça. C'est pas forcément un bon état, mais je vous avoue que je suis tellement heureuse de l'avoir. J'avais pas forcément envie de l'avoir en neuf, hein. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir cette édition. J'avais prévu de lire ça en décembre, alors je pense pas que je pourrais le lire en décembre, mais j'ai très très envie de le lire bientôt. Vraiment, je suis super heureuse. Thank you.
Je vous retrouve un petit peu plus tard pour répondre aux questions du tag, donc du tag de Noël. Donc j'avais très envie de répondre aux questions. C'est Nadia qui m'a tagué pour ce tag. Ça fait 5 fois tag dans la phrase, bravo Isabelle. Voilà, je réponds à ce tag dans cette vidéo parce que je trouve que ça convient bien au thème et que j'ai pas forcément le temps de refaire encore une nouvelle vidéo en plus par rapport à mon programme de vidéo qui est hyper chargé, qui me prend quand même pas mal de temps, mais j'ai quand même envie de répondre à ces questions. Je suis pas forcément friande de tags de manière générale, mais celui-là je le trouve fun. Bah, en même temps c'est Laura et Steph qui l'ont fait. Et la première question c'est: quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin ? Alors, cette année, j'ai demandé des livres et les gens ne sont pas contents, je pense, parce qu'ils veulent tout le temps me demander, parce que je dis, bah oui, moi je veux des livres, j'ai une happy list et tout avec des livres, et ils me demandent, ouais, mais il n'y a pas autre chose que tu veux ? Non, je veux juste des livres, laissez-moi tranquille, un petit livre de poche et je suis contente. Mais du coup, je vais vous sortir les livres, peut-être plus les beaux livres, vous savez, les gros livres qu'on achète plus difficilement soi-même. Je pense notamment à Nordic Tales, donc ce sont des contes nordiques, j'aime beaucoup les contes, et c'est un livre illustré qui a l'air absolument magnifique, je vous mets l'image ici. J'ai mis Les Sorcières de la Littérature, qui est un livre en fait qui va nous parler de 30 écrivaines au pouvoir extraordinaire avec une préface de Chloé Delhomme. C'est un livre qui me tente beaucoup et j'ai eu envie de l'acheter quand j'ai vu qu'il y avait Charlotte Perkins Gilman dans ce livre. J'ai vu une page sur elle et du coup ça m'a donné super envie d'avoir ce livre et c'est un livre qui coûte... Ah non, c'est 20 euros, ça va encore. Mais bon, voilà, c'est le genre de livre qui peut être un super beau cadeau. Sinon, il y a Jane Austen, Jane Was Here, qui est un livre qui va nous parler de Jane Austen, qui est un très joli livre, qui est sorti également en français. Je l'ai vu là, il est sorti récemment en français. Et le dernier, c'est, je sais pas comment le prononcer, c'est Literary Wonderlands. Donc en fait, c'est un livre, par contre, assez cher, qui est autour de 37-38 euros, je vous le mets là également. C'est en fait un voyage à travers les grands mondes imaginaires des romans. Et ça a l'air absolument magnifique et hyper bien illustré, etc. C'est juste que c'est assez cher et c'est pas le genre de truc que j'aurais acheté de moi-même. Et sinon, je pense aussi à Harry Potter illustré par Mina Lima. Alors, je l'ai pas demandé cette année parce que je sais que je vais encore lire ceux illustrés par Jim Kay. Mais je sais qu'un jour, j'aurai envie de les avoir. Voilà, je trouve ça quand même magnifique. Donc voilà, quel livre offririez-vous à un proche? Alors cette année je vais offrir des livres, il y en a au moins 2 ou 3 que je veux offrir, ce n'est pas, c'est des livres qui correspondent exactement aux personnes. Un livre que j'offrirai à plusieurs personnes, c'est toujours le même, je vous le présente tout le temps cette année, si vous me voyez si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu passer celui-là, vous en pouvez plus, mais je peux pas répondre autre chose, vraiment, Les Diables et Desseins de Jean-Baptiste Andrea, parce que c'est un livre qui m'a tellement bouleversée, en fait, que j'avais envie de le partager autour de moi, particulièrement à mon entourage musicien. Et donc, je vous ai déjà beaucoup résumé ce livre, ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est orphelin et qui va donc rencontrer plusieurs personnes dans son orphelinat. Il est passionné par la musique, passionné par le piano. C'est vraiment une très chouette histoire que j'ai envie de partager le plus possible autour de moi. Et alors, on arrive aux questions un peu, j'ai cherché, c'est difficile je trouve de trouver. Le livre qui te donne froid, et alors je pourrais vous citer quand même pas mal de thrillers qui sont soit des thrillers nordiques, soit des thrillers tout court, parce que tu trembles un peu, t'es un peu... Je pourrais vous répondre alors par une vidéo. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est une vidéo autour des livres pour l'hiver, et il y en a plusieurs qui peuvent donner bien froid. Et du coup, j'ai pas envie de reciter ces livres-là, donc je vais essayer d'en trouver un autre. Il y a notamment Disco de Momalo. Je me souviens que c'était une chouette petite enquête, dans une ambiance justement très froide. Là pour le coup, vous ne pouvez qu'avoir froid. Sinon, le livre qui donne vraiment bien froid, c'est Misery de Stephen King. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans une ambiance bien froide. Et ça fait très très longtemps que je l'ai lu et du coup je vois plutôt les images du film qui sont en effet avec de la neige. Le livre qui te réchauffe le cœur, je dirais peut-être une petite saga familiale sympathique. Alors je vais plus encore une fois citer Les Sœurs des Blois parce que c'est ma saga familiale préférée. En plus, les personnages sont quand même pas toujours sympathiques. Alors on a des très chouettes personnages, mais on a aussi quand même une mère hypochondriaque qui éduque ses enfants de manière complètement toxique. Donc peut-être que je vais pas citer celui-là, mais Le Goût du Bonheur, par contre, c'est une... Alors certes, une saga que j'ai moins aimée que Les Sœurs des Blois, même au niveau du style, etc. Mais c'est quand même une saga qui, moi, me réchauffe le cœur. J'aime bien tout ce qui est saga familiale parce qu'on a ce
ce côté cocon familial, même s'il y a des tensions, il y a des histoires à gauche, à droite. Je me souviens que je me retrouvais vraiment très, très réconfortée dans cette histoire. Franchement, c'était une chouette petite saga, enfin, grosse saga plutôt, c'est des pavés, qui me réchauffe le cœur. Sinon, un autre livre qui me réchauffe le cœur, c'est un livre de Samantha Bailly, c'est Nos âmes jumelles. Je dis pas n'importe quoi, c'est bien ça. Nos âmes jumelles, donc c'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont se rencontrer sur Internet et qui vont être toutes les deux passionnées, l'une par le dessin, l'autre par l'écriture, et elles vont vouloir créer ensemble une bande dessinée, en tout cas un projet commun, et elles vont donc beaucoup papoter ensemble sur Internet, vont se tisser des liens, etc. On va parler de pas mal de sujets, et j'ai adoré parce qu'on suit la vie familiale aussi de ces deux jeunes filles. Franchement, j'ai lu deux fois cette saga, je suis pas arrivée au bout, je pense, mais Samantha Bailly a quand même le don de nous faire des univers et des personnages extrêmement réalistes, et franchement, j'avais adoré, et je trouve en effet que ça peut être un livre qui réchauffe le cœur. Le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette, alors je trouve que c'est très tendancieux cette question. Est-ce que c'est se blottir sous la couette pour avoir bien chaud, ou pour faire des choses coquinettes? Alors moi, j'ai toujours été amoureuse des frères Weasley, mais depuis, enfin, j'ai grandi, et donc je pense que les frères Weasley, quand j'étais amoureuse d'eux, ils étaient mineurs, et moi je suis majeure, donc on va passer outre toute cette histoire. Alors, il se blottit sous la couette avec moi, à ce moment-là, il est majeur. Ne m'envoyez pas les flics, s'il vous plaît. Les personnages que tu inviterais bien à Noël pour le jour de l'an, ou le jour de l'an. Alors là, franchement, c'est très compliqué comme question. Franchement, elles sont chouettes ces questions, mais elles sont super compliquées. Alors, pour inviter des gens à Noël, il faut qu'on passe un chouette moment, qu'on discute, ça peut être super chouette. Maintenant, il faut quelqu'un qui a un peu les mêmes valeurs que moi, parce que si c'est quelqu'un de problématique, il faut absolument pas qu'on ait des disputes. Il faut quelqu'un aussi qui a un peu le même univers que moi, qui puisse peut-être potentiellement apprécier la décoration qu'il y a chez moi pour que je me sente bien. Et du coup, qui est-ce que ça pourrait être? Alors là, la fille n'a pas du tout préparé le tag. Un tout petit peu, j'ai un peu préparé, mais pas toutes les questions. J'avais pensé à Molly Weasley parce que c'est quelqu'un d'hyper chaleureux, mais je pense que Molly Weasley est tellement gentille qu'elle aurait amené elle-même, elle aurait fait à manger tellement de choses, et moi j'aime bien, si j'invite des gens à Noël, j'aime bien justement faire moi-même à manger, même si les gens amènent des choses, mais moi j'adore préparer, et je sais que Molly, elle apporterait tout quoi, et donc non, c'est embêtant. Du coup, je réfléchis, je vais enlever l'univers d'Harry Potter et avec qui je pourrais passer un chouette Noël, on pourrait papoter, ça pourrait être chouette. Écoutez, moi, dans le dernier livre que je viens de lire, Olympe Valoez, je trouve que c'est une fille intéressante, même si elle m'a énervée un petit peu dans cette lecture, c'est quand même une fille qui sait beaucoup de choses, qui a étudié l'histoire et qui là a découvert une autre dimension, et en fait, j'ai hâte qu'elle me parle un peu plus de cette autre dimension. Voilà, qu'elle me raconte un peu des ragots croustillants, ça pourrait être chouette. Oui, une fille qui me raconte des potins, et elle, je pense qu'elle doit en avoir de bons, de potins. Donc Olympe Valoez, ça peut être bien, et c'est donc, je vous mets le titre là, alors qu'il est à 50 cm de moi, je pourrais le prendre le livre, hein, mais non. Le pull de Noël ringard, couverture ringard. Alors, c'est pas une couverture de Noël, mais alors là, je vous ai trouvé les trois pires couvertures de ma bibliothèque. Et c'est le même auteur. Alors là, on a quand même, je vous montre... Alors, c'est pas ringard, c'est juste moche. C'est Rage, de Stephen King. Admirez quand même la beauté de cette couverture. Je suis épatée. On a ceci, La balade de la balle élastique, qui est quand même la plus moche couverture que vous ayez jamais vue. Focus sur le livre, pas sur ma tête. Et alors, Le singe. Voilà, je pense que ce sont les pires couvertures qu'il y a chez moi. Je ne sais pas à quel moment les maisons d'édition se sont dit on va bien vendre ce livre comme ça. Je pense que voilà, il y a du travail là-dessus. Alors, dans quel livre aimeriez-vous passer Noël? J'ai tout fait pour éviter de parler d'Harry Potter. Parce que tout le monde répond Harry Potter pour tout en fait. Hein. Ça pourrait être un tag Harry Potter. Harry Potter. Sauf que si je passe Noël avec la famille Weasley, vous savez, il y aura toujours le petit con là, Harry, il va ramener « Oh, j'ai mal à ma cicatrice, on va... » Enfin bref, il a toujours des trucs à raconter. En plus, Ron, je le trouve hyper macho, donc je pense qu'il me dérangerait. Donc, je pourrais passer Noël quand Harry, Ron et Hermione ne sont pas là, et donc je passe Noël avec les Weasley. Voilà, je pourrais faire ça.
Sinon, un autre livre dans lequel j'aimerais passer Noël. Alors vous allez me dire, mais cette fille n'a rien compris à la question. Je pense à ce livre-là, parce que dans ce livre-là, on a tout un univers autour d'Halloween, tout un parc thématique autour d'Halloween, et j'imagine que franchement, s'ils ont fait un parc comme ça autour d'Halloween, il doit y avoir un parc comme ça autour de Noël. Et alors comment vous dire que ça doit être génial, avec ces mêmes personnages, avec cette même déco mais version Noël. Moi je dis oui à 100%, c'est un livre que j'ai lu dernièrement, je vous ai fait une vidéo, je vous en ai parlé dernièrement, franchement, là je suis d'accord. Quel livre de Noël aimerais-tu voir adapté en film ou en série télé? Alors je lis pas énormément de livres de Noël, donc j'en ai pas un million, mais je pourrais dire Christmas Actually de Johanna Boulouri, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, mais c'était vraiment, je pense, ma romance de Noël préférée. Alors, un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Alors là j'ai trouvé, c'est même trois petits livres, je sais pas lesquels exactement, il y en a plein, sont les livres de Beatrix Potter. Parce que ce sont des univers que moi je lisais et que je regardais avec mes grands-parents quand j'étais petite. Et je les ai plus ouverts depuis très longtemps, sauf pour des photos ou des mises en scène ou des trucs comme ça, mais pas pour moi, pour prendre le temps de les lire. Et en fait, les rares fois où j'ai ouvert, j'ai eu plein de souvenirs d'enfance, des bons souvenirs d'enfance. Et franchement, Beatrix Potter, son univers, je le trouve merveilleux. J'aime énormément ses personnages, que ce soit les petites souris, le petit lapin, on a l'histoire avec le renard aussi, on a l'histoire avec l'écureuil. Beatrix Potter, c'est vraiment toute mon enfance, c'est avec ça que j'ai grandi, et donc ça me ramène directement en enfance. Quel livre pourrait remplacer La bûche dans la fumée? Alors il y en a une petite série quand même. Il y a un livre de Noël que j'ai vraiment détesté, je vous le mets là, puisqu'on est dans la thématique Noël, c'est un recueil de Noël que j'ai trouvé extrêmement problématique. J'ai vraiment détesté cette romance de Noël, c'était vraiment, vraiment très très mauvais, ce recueil de nouvelles, donc je l'avais pas continué, je l'avais complètement abandonné. Voilà, je peux citer celui-là. Et ensuite, le dernier, pour décorer le sapin, le plus beau livre de sa bibliothèque, et là j'en ai ramené trois, j'ai fait un effort, j'ai ramené trois livres pour cette question, parce que, franchement... Ah non, j'en ai ramené que deux. Oh non. Bon, j'ai ramené donc deux livres pour cette question et il fait super noir. J'espère que ça va aller pour les voir. Il y en a un que vous avez vu récemment dans mon book haul, c'est celui-là. C'est ma lecture que je commence le 20 décembre. C'est Midnight in Everwood. Il s'agit d'une réécriture de Casse-Noisette. Comment vous dire qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai super envie de le commencer. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu pas mal passer, surtout le booktube anglophone. Franchement, voilà, réécriture de Casse-Noisette. Et une autre que je trouve magnifique, c'est la réécriture de La petite sirène en version féministe. Il s'agit de ceci, The Surface Breaks. Je suis pas sûre qu'il ait été déjà traduit, mais en tout cas, je trouve la couverture absolument magnifique. Et moi qui aime beaucoup les univers marins dans les livres et pas dans la vraie vie, et pas les trucs... bref, j'aime bien les univers comme ça. J'ai vraiment, vraiment hâte de le lire, de Louise O'Neill. Je suis... Ça fait longtemps que je l'ai, et je l'ai toujours pas lu, et il y a des écailles. Trop, trop bien. Voilà, ça c'est un des livres que je rêve de lire. Voilà, c'est tout pour ces questions. Je vais sortir le crumble du four, je vais donc chercher mes petits cadeaux de Noël, et je vous retrouve tout de suite. Thank you.
Hello, je vous retrouve un peu plus tard et même beaucoup plus tard, hein, on est le soir, c'est le jour de la clôture de ce vlog, donc voilà, je viens vous parler un petit peu pour clôturer le vlog, vous parler de petites lectures, un petit achat aussi, des choses que j'avais envie de vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plusieurs choses. Déjà que ce chocolat chaud chantilly est juste succulent. J'ai juste galéré pour mes plans, pour faire des plans avec la belle chantilly, parce que la chantilly végane, en fait, la particularité, c'est qu'elle fond très très vite. Et du coup, bah en fait, il faut vite faire les plans avant que ça fonde. Vous allez me dire que dans ce vlog, je suis toujours en train de boire. Bah écoutez, c'est mieux ça que du whisky hein, à chaque vlog, c'est pas très grave. Alors, je me rends compte que quand j'ai fait mon tag, je n'ai tagué personne et j'ai oublié. En fait, tout simplement, j'ai oublié la base des tags, c'est qu'à la fin, tu tags les gens, en fait, tu leur proposes de faire le tag. Et du coup, je vais vite taguer les quelques personnes. Alors, ce sont des personnes qui le feront seulement si... S'ils regardent la fin de cette vidéo, ce qui est en général, vu les statistiques, très peu probable. Mais on sait jamais, on sait jamais. Alors j'ai envie de taguer Sarah, de Mrs. Bookie Harmon, parce que je suis sûre, franchement, je pense savoir certaines de ses réponses, mais je pense qu'on peut être surpris. Je sais pas si elle a envie de le faire, peut-être qu'elle a déjà été taguée en plus. Au niveau des tags, donc j'ai un petit peu regardé, parce que c'est vrai qu'en ce moment je regarde très très peu de chaînes francophones, et en fait les copines que je regarde, elles ont toutes été taguées ou elles ont déjà fait le tag. Et donc je ne sais pas, j'ai pas vérifié si Perfect Flow a fait le tag par exemple, ou si elle a été taguée, ben voilà, ça me plairait beaucoup de voir ce qu'elle fait avec cette vidéo. J'aurais bien envie que Amélie, à mon avis, elle a été taguée, Madame Chachali, ce serait chouette. J'aime beaucoup son contenu, c'est vraiment quelqu'un de très chouette et très pétillant. Et je sais pas si elle a été taguée, j'ai pas vu encore ses dernières vidéos, donc je sais même pas si elle l'a sorti ce tag. Je suis vraiment la pire booktubeuse et la pire pote booktubeuse surtout du monde. Alors je vois que des anglophones. Camille, bah oui, franchement, Laura's Reading, ce serait débile de taguer la fille. Une des filles qui a créé le tag, ce serait quand même débile. Je regarde un petit peu dans les gens que je regarde et je vois surtout des anglophones, des youtubeuses beauté, Mrs. Bookie Harmon. Et qui est-ce que je pourrais taguer? Ah oui, je pensais taguer Mathilde du Faucon Littéraire, pourquoi pas. Bon, si ça t'intéresse, hein, parce que je vois que je vois pas vraiment de tag dans tes vidéos, mais voilà, c'est pas obligé, hein, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, et donc ça me plairait bien d'avoir ses réponses au tag. Et encore quelqu'un, je crois qu'il faut taguer 3 personnes, mais voilà, vous me connaissez, je fais jamais les choses comme il faut. Manon, à mon avis, elle a été taguée. Flo, il a refait le tag, donc voilà. Je pense à Florine Books, elle l'a fait aussi. Nadia, c'est elle qui m'a taguée. Je pensais aussi taguer Peggy de Ayana Taube, si tu ne l'as pas encore fait, parce que je suis à la bourre dans les vidéos des gens, du coup, j'ai pas vu. Mais forcément, je suis à la bourre. Tout le monde publie plein de vidéos, moi-même. Et donc, dans mon flux d'abonnement, y a des centaines et des centaines de vidéos, et donc les gens que j'adore, je vois pas. Voilà, donc c'est possible. Parfois, il y a Kelly, je vois pas ses vidéos. Peggy, je vois pas ses vidéos. Ça m'énerve. Du coup... je me suis fait une playlist, moment, je crois, c'est vidéo pépite à regarder, et il y a tous les gens que j'adore, à chaque fois je les mets là-dedans. Voilà. Bref, donc ça c'est pour le tag. Je voulais parler d'un tout petit sujet, même si ça peut être un très grand sujet, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais je voulais un petit peu vous parler de notre rapport à la lecture par rapport aux abandons de livres. Pourquoi est-ce que je viens avec ce sujet comme ça sur le tapis alors que c'est pas du tout prévu? Eh bien, parce que je me rends compte, hein, dans les derniers vlogs, je vous ai parlé de certains livres dont je ne reparle plus. Par exemple, le Molly King que j'avais commencé, vous l'avez plus vu, hein, il a disparu de la circulation, il est plus là, il est près de ma table de nuit et je ne l'ai pas continué. Il y a des livres comme ça que je commence, j'en parle et du coup je ne les continue pas, je les mets de côté, parfois je les reprends, parfois pas. Et je me faisais une réflexion, je me disais, je sais que ça énerve certaines personnes, hein, que je commence à parler de livres, et que après, j'en parle plus, et les gens se disent, oui, mais on veut avoir ton retour sur le livre, et gna gna gna, et je me lance des fleurs, je sais pas si les gens ont vraiment envie d'avoir un bon retour sur les livres, mais je peux comprendre que c'est un côté un peu frustrant. D'ailleurs, il y a presque un an, je me souviens d'avoir reçu un commentaire de quelqu'un qui disait, sur un de mes vlogs, Isabelle,
Voilà, je voulais, j'ai mis un dislike sur ta vidéo parce que je la trouvais brouillonne. Bienvenue dans ma vie. Voilà, je la trouvais brouillonne et je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de cohérence de parler de livres plic-ploc et puis de ne pas les continuer. Et je me rendais compte que tu ne terminais pas tes livres et du coup, et ça m'embête. Je sais plus si elle a dit ça comme ça, mais en gros, j'ai compris que ça la faisait, ça l'énervait que je parle de livres et que je ne termine pas mon avis sur les livres puisque je ne termine pas les livres. Voilà. Et c'est quelque chose, une chose à laquelle j'ai quand même beaucoup repensé. Alors, on parle de nouveau beaucoup de moi, mais c'est pour aussi ouvrir un sujet en commentaire et donc vous inviter, vous, à partager votre point de vue vis-à-vis de l'abandon des lectures. Parce que je trouve que c'est chouette, non, de discuter de lecture et de notre rapport à la lecture. Je me dis que oui, bien sûr, il y a des sujets bien plus graves dans le monde, mais je pense qu'on est ici pour se détendre et pour penser à autre chose que les trucs graves dans le monde. Enfin, j'espère qu'on pense à autre chose et que ça vous fait pas profondément déprimer. Je comprends que c'est frustrant de voir que je commence des livres et que je ne les termine pas et du coup vous avez envie d'avoir peut-être mon avis sur les livres et vous ne les avez pas. C'est une chose que je fais depuis presque un an, même un peu plus, de laisser des livres de côté. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant parce que j'ai toujours eu cette culpabilité énorme à ne pas terminer un roman. Je me suis toujours sentie coupable en fait à l'idée d'abandonner un livre et à chaque fois que je le fais, même encore maintenant, quand je le mets de côté, je me sens mal. Je me dis « Ah là là, enfin Isabelle, t'as quand même des choses plus importantes dans la vie, pourquoi tu te sens mal parce que t'as laissé de côté un livre ?» Mais je comprends pourquoi je me sens mal, parce que déjà, je me lance des pics à moi-même. En plus, je me rends compte que j'ai abandonné quelque chose, donc il y a une sensation d'échec par rapport à cette lecture. Et il y a aussi la notion, bah, parfois, tu achètes un livre, 20 euros, et le fait de ne pas le terminer, ça me donne l'impression d'avoir jeté mon argent par les fenêtres. C'est de là, je pense, que vient cette culpabilité, et peut-être un truc psychologique très lointain, je ne sais pas, mais j'ai pas envie d'aller plus loin, c'est pas très important. Pour vous. Je ne sais plus le début et la fin de ma pensée, ça c'est mon vrai problème. Et donc j'ai eu une petite réflexion avec moi-même, nous sommes assis à table, nous avons pris un thé chacune et nous avons discuté ensemble et nous avons discuté, nous en avons conclu que c'était stupide de culpabiliser pour de la lecture et que je pouvais très bien mettre des livres de côté et que tant pis, c'est pas très grave, soit je les donne à quelqu'un. Voilà, même si je l'ai payé cher, bon, c'est un chouette cadeau en fait parce qu'il est presque neuf, si je l'ai abandonné c'est que je l'ai pas lu beaucoup. Voilà, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, soit je le reprends plus tard, c'est ce que j'ai fait quelques fois également. Et voilà, basta la notion de culpabilité. Elle est encore là, mais c'est pas très grave. Du coup, c'est quelque chose qu'en effet, cette personne avait noté dans un de mes vlogs. Et je remarque en effet que je me sens un peu parfois coupable de ne plus vous parler d'un livre parce que je l'ai mis de côté, je l'ai abandonné. Bien écoutez, si vous n'aimez pas les gens qui laissent des livres de côté et qui abandonnent des livres en plein milieu, ben je pense que cette chaîne vous conviendra pas parce que c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner, j'ai pas envie de me forcer. Si le livre me convient pas, c'est que soit je ne l'aime pas et que je le trouve pas bon ou qu'il ne me convient pas à moi, ou soit que c'est pas l'instant et que je vais peut-être le reprendre plus tard, ou pas du tout. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser là-dessus et d'arrêter de culpabiliser aussi par rapport à vous. Donc voilà, je sais que c'est pas très vendeur pour ma personne, mais sachez que oui, parfois, souvent, je laisse des livres de côté, je les commence dans un vlog, je fais des plans où j'essaie de les mettre en évidence et puis pouf, ils disparaissent de la circulation, j'en parle plus. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'ai décidé de fonctionner comme ça et d'arrêter de me culpabiliser et de me forcer absolument à terminer des livres. Et je trouve que du coup, c'est un rapport un peu plus sain à la lecture, le fait de se dire, bah tant pis, t'aimes pas là, t'as pas envie de lire, te force pas. Parfois, je me force un peu et ça marche, hein, mais... La plupart du temps, si tu te forces, il y a quand même un truc qui va pas. Et donc, tout ce blabla auto-centré, tout ça pour dire, pour savoir ce que vous pensez des abandons de livres. Est-ce que vous abandonnez des livres? Est-ce que vous avez du mal, comme moi, à laisser de côté un livre? Est-ce que vous avez dû un peu vous forcer à abandonner des livres ou vous forcer à continuer des livres? Voilà, je voulais un petit peu savoir votre rapport à la lecture. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce mood très chouette, très positif de se dire c'est un loisir, te prends pas la tête, et vous avez bien raison. Mais je sais qu'il y en a d'autres comme moi qui sont un peu psycho quelque chose, et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Alors, Christmas Pudding, quel est le rapport avec ce que je viens de dire? Eh bien, c'est-à-dire que je ne l'ai toujours pas commencé. C'est une lecture en cours qui restera une lecture en cours de deux pages.
Peut-être que je vais le continuer cette semaine. Je me suis fait un gros planning de lecture, c'est quelque chose que je fais pas souvent, même jamais en fait en général. Mais là pour décembre, j'ai décidé de lire tel ou tel livre. Et du coup, je vais essayer de le lire celui-là. Hein. Mais bon, après Noël, je sais pas si j'aurais vraiment envie de lire celui-là. Christmas Carol, que je dois toujours continuer, est-ce qu'on va en parler? Non. J'ai plus vraiment avancé dans Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'ai plus vraiment avancé. Par contre, j'ai commencé dans les transports en commun. J'ai plié mon marque-page, pardon. J'ai commencé le Donato Carisi, Je suis la bis. Alors, je suis pas la bise, non, je suis la bise. Je suis page 24 et je passe déjà un super moment. On va suivre un petit garçon qui vit avec sa maman. Et on sent que la relation entre ces deux-là n'est pas très saine. C'est-à-dire que je crois qu'ils vivent dans la rue. Et la maman, elle est pas très bienveillante avec son enfant. À un moment, elle l'emmène, elle lui dit « Viens, on va faire une grande aventure. » Et en fait, elle veut lui apprendre à nager. Et en fait, lui apprendre à nager, c'est d'aller dans une piscine complètement sale. Une piscine extérieure complètement sale et abandonnée. Elle lui donne des bouées. Elle dit « Vas-y, va dans l'eau et démerde-toi. » Et donc, le gars est complètement traumatisé. Et sa mère se moque un peu de lui. Enfin, voilà, c'est un peu malsain. Et on voit que ce personnage... Enfin, on nous dit que c'est ce personnage. J'espère que c'est pas un spoil, mais en même temps, je suis pas 24, on nous voit que ce personnage en fait devient un homme qui nettoyait. Voilà, on l'appelle l'homme qui nettoyait et il nettoie la ville, etc. Et ça lui plaît bien ce boulot et j'imagine que c'est lui qui va être le tueur en série. On nous parle d'un gars qui crucide des gens en s'occupant de leurs déchets, donc j'imagine bien que ce sera lui. Ou peut-être qu'il y a un gros cliffhanger de fou. Donc ça c'est pour mes lectures en cours. J'ai acheté un livre, parce que je suis allée, je vous avais dit, j'allais chez Waterstones pour acheter des cadeaux. J'ai galéré à trouver le tome de Dune que je devais offrir à mon compagnon. Je l'ai pas trouvé en fait, hein. Voilà. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Peut-être que je vais aller un peu après les fêtes ou faire une commande dans la librairie et aller le chercher. Bah, ce sera après les fêtes parce que j'ai pas envie de leur dire « Dites les gars, je dois l'avoir pour Noël, on est le 19 décembre ». Franchement, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, c'est un truc qui m'angoisserait en tant que vendeuse. J'ai pris à mon compagnon qui ne regarde pas mes vidéos, j'ai pris The Witcher. Alors, je l'ai moi en français, mais je sais qu'il a envie de le lire en anglais. Parce que lui, il lit mieux que moi l'anglais. Des livres de genre The Witcher et Dune, lui, ça passe crème. Et moi, Dune, je pense que ça passerait pas. Voilà, j'y arriverai pas. Moi, il faut vraiment de la jeunesse ou alors un livre, un policier, mais pas de la science-fiction ou un univers trop complet. Et je lui ai pris The Witcher. J'ai pris un livre, donc j'ai pris des livres pour des gens et j'ai pris un livre pour moi. Voilà, je me suis fait un petit cadeau de moi. Moi, j'ai pris un livre dont j'avais jamais entendu parler. Il s'agit de The Sisters and the Winterwood de Rena Rosner. De Rena Rosner, quoi. Je l'ai vu sur Livre Addict, visiblement il n'est pas traduit, en tout cas pas sur Livre Addict. Il est sorti il y a quand même un long moment. C'est un livre qui mixe des contes de fées. Madeline Miller dit que c'est une histoire puissante de sororité, de famille. C'est, en fait, moi ce qui m'a vraiment happée, c'est le côté conte de fées, parce que je cherche pas mal de réécriture de contes, c'est vraiment un truc que j'aime particulièrement, et donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais je trouvais déjà la couverture magnifique, j'ai été très inspirée par le titre, et oui, je pense que je vais aimer cette lecture, je sais pas quand je la lirai. Hein. Y a beaucoup de passages comme ça en poésie, ça a l'air assez étrange, je trouve. Donc voilà, ça c'est un petit achat de moi à moi. J'avais prévu de m'acheter un livre qui s'appelle un Noël scandinave, qui n'est pas sorti en français, mais je ne l'ai pas trouvé. Vous avez vu dans des plans un livre de Noël, je vais peut-être me le faire offrir. Voilà, je vais peut-être potentiellement me le faire offrir. Sinon, je voulais un tout petit peu vous parler de série, puis arrêter ce vlog parce que ça fait trois plombes que je parle. Hein. Nous sommes en train de regarder La Roue du Temps. C'est sur Amazon Prime, voilà, le souci c'est que c'est sur Amazon Prime, moi je suis abonnée, voilà, comme ça vous savez tout. J'ai failli abandonner, mais c'est mon compagnon qui voulait continuer, j'étais étonnée parce qu'en général il n'aime pas trop les séries qui font un peu pour ados. Alors La Roue du Temps, c'est un livre hyper connu de fantasy que j'ai d'ailleurs, que je n'ai pas encore lu, et en fait c'est une série qui... je trouve a un univers hyper intéressant, c'est vraiment chouette au niveau de l'univers. J'apprécie énormément, c'est même ce qui m'attire le plus parce que j'ai beaucoup de mal moi avec les personnages et le choix des acteurs. Il y a vraiment un truc,
Je les trouve un peu fades, ces acteurs, ces jeunes acteurs. Ils sont toujours en train de pleurer, blablabla. Des trucs de personnages, de romance. Tout d'un coup, il lui dit qu'il l'aime, alors que, gars, t'es en plein milieu d'une bataille, on ne fait pas ça. Puis il y a des trucs au niveau de la... Du fait de faire tout le temps des ralentis, en fait. C'est quelque chose qui revient très souvent, de faire des ralentis dans une bataille, de faire tout le temps des ralentis, c'est... Pourquoi pas, hein? C'est juste que là, c'est un petit peu trop. Et moi, je trouve que c'est dans l'esthétique que c'est ce que j'aime le moins, en fait, malheureusement. En fait, ce que j'aime beaucoup, parce que sinon, pourquoi est-ce que je regarde cette série? Parce que je trouve l'univers hyper intéressant. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas vous résumer parce que c'est une histoire de fantasy et je suis vraiment nulle pour résumer la fantasy. Le truc qui me dérange le plus, encore plus que les 5 personnages principaux, allez, 4 des 5 personnages principaux, c'est l'esthétique. Il y a quelque chose dans l'esthétique qui me dérange profondément. Est-ce que c'est au niveau des costumes? On dirait par moments, quand ils se promènent, on dirait une publicité pour des sites, hein, de vêtements ethniques, sur lesquels je vais assez souvent. Et donc je me dis, tiens, on dirait une publicité pour ce site, parce qu'ils sont censés avoir fait des batailles, des bazars, des trucs, et ils sont toujours super propres. Et leurs vêtements sont toujours super propres, on dirait qu'ils viennent de sortir de l'usine. Et alors que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose qui m'embête au niveau de l'esthétique, les couleurs, quelque chose qui semble très faux en fait. Et c'est ça qui me dérange. Alors comme je n'y connais rien en cinéma, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, je trouve qu'ils sont trop propres, ces gens. C'est pas du tout crédible, quoi. Enfin, quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont très détourés. Il y a quelque chose, je trouve, dans l'esthétique de cette série qui ne va pas, qui rend tout fake. Et quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux à côté, t'es là, oh, mais c'est un vrai elfe, c'est un vrai nain, c'est un vrai... Et là, tu te dis, tout est faux, même le maquillage, je trouve ça bon, pas fameux. Désolée, mais voilà, j'exprime mon opinion. Et il y a The Witcher qui va sortir. Et comment vous dire que je suis bonheur, joie, Witcher saison 2, bah on a commencé, hein. Écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'ai encore une multitude de plans à monter, etc. Et je dois sortir cette vidéo demain, donc je suis à fond à la bourre, hein. La prochaine vidéo que vous verrez, c'est une vidéo autour des livres autour de l'hiver. Plutôt, c'est une vidéo qui parlera de lire de livres autour de l'hiver. J'essaie de la sortir le premier jour de l'hiver. Je ne suis pas sûre d'y arriver, honnêtement, parce que j'ai pas mal d'idées, mais j'ai un peu du mal à les rendre réelles, parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, tous les livres dont je parle se passent sous la neige et il ne neige pas ici en Belgique. Et tous les plans que j'ai envie de faire, ça devrait être sous la neige, sauf qu'il ne neige pas. Je me répète et ça m'énerve. Je me dis que s'il neige au moins un jour, trois flocons, ça me plairait bien. Parce que franchement, tous les livres dont je dois parler, il y a de la neige et ça m'énerve de ne pas pouvoir faire des plans sous la neige et la fausse neige. Enfin voilà, je l'ai fait une ou deux fois, mais ça va deux fois, pas trois quoi. Voilà, j'ai plus d'inspiration avec la fausse neige. Donc... Voilà pour ça. Et donc je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a un épisode de Netflix qui vient de s'allumer tout seul. C'est fou ça. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont arrivés péniblement. Merci. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.